L'adjudant-chef Niapié Germain Junior, gendarme chargé de la sécurité à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, USA, a été félicité pour un acte de probité et d'honnêteté. Le jeudi 21 avril 2022, SEM Ibrahima Touré, ambassadeur et chef de la mission diplomatique ivoirienne à Washington, a reçu l'adjudant-chef Niapié Germain Junior, gendarme chargé de la sécurité à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Probité et honnêteté. SEM Ibrahima Touré, ambassadeur et chef de la mission diplomatique ivoirienne à Washington, a félicité l'adjudant-chef Niapié pour l'acte de grande probité et d'honnêteté qu'il a posé le 29 mars 2022. Lire aussi Marc Huy, un gang piégé par un agent de sécurité, une dizaine d'arrestations. L'adjudant-chef avait, en effet, retrouvé une enveloppe égarée à la chancellerie et contenant la somme de $10 000, $10,000.00, soit 5 millions FCFA. Il l'avait restituée à son propriétaire totalement affolé qui, dans ses efforts pour la retrouver, était revenu sur ses pas à la chancellerie. L'adjudant-chef Niapié a retrouvé une enveloppe égarée à la chancellerie et contenant la somme de $10 000, $10,000.00, soit 5 millions FCFA au nom de l'ensemble du personnel et en son nom propre. L'ambassadeur a félicité l'adjudant-chef Niapié pour son acte dont la très haute portée morale rejaillit sur l'ambassade et sur l'ensemble de ses frères d'armes de la gendarmerie nationale dans un contexte où le président de la République, Alassane Ouattara, œuvre à la promotion de l'Ivoirien nouveau. L'ambassadeur Ibrahima Touré était entouré, pour la circonstance, de plusieurs de ses collaborateurs dont le général de brigade Édouard Amichia Kouao, attaché de défense. Relations commerciales. Si USA, les États-Unis et la Côte d'Ivoire entretiennent de parfaites relations, en termes d'échanges économiques et commerciaux. Dans le cadre de l'AGOA, la Côte d'Ivoire bénéficie des avantages commerciaux préférentiels sur le marché américain. Lire aussi les États-Unis et la Côte d'Ivoire veulent renforcer leur coopération sur le plan sécuritaire, économique et démocratique grâce à ces avantages. Les États-Unis sont devenus les principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'AGOA, la Côte d'Ivoire bénéficie des avantages commerciaux préférentiels sur le marché américain. Le volume global des échanges entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis est passé de 577 milliards FCFA en 2012 à 762 milliards FCFA en 2016. Dans sa marche vers l'émergence économique, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses partenaires, notamment les États-Unis. Source, ambassade de Côte d'Ivoire aux USA.